Bonne partie, je mets le stream. Ouais. Bonne partie. Alors. Je vais lancer la prédit. Je suis pas sûr d'avoir mis un truc de prédit ici. Navigateur. Prédiction. Tac, tac. Je sais pas quelle taille ça va faire, on va voir. Alors, il vient ici. Tranquillement jouer ça. Mettre en place le petit prédit. Ouf. Alors, qui gagne la partie? Wise-toi ou Abdallah. J'espère pas faire de faute sur son pseudo. Ouf. Alors, est-ce que c'est trop beau? C'est bien comme ça. Hop, voilà. Il joue de ce côté, très bien. Salut Unibo, comment ça va? Alors. On va aller jusqu'ici. Il a envie de se développer sur ce bord gauche. Donc je me dis que s'il va en B16 du coup. On peut aller en C17 et on gagne un coin plus gros, s'il veut vraiment développer de ce côté. Et en même temps, s'il va direct dans le coin, il abîme son bord gauche. Il vient ici, très bien. Ce qui me donne envie de développer un peu plus dans cette zone. J'ai mis 500 brousouf sur toi. Bien joué. T'es optimiste, mais bien joué. Ok. Ici, je vais plutôt jouer en quatrième ligne, parce que j'ai joué déjà une pierre de troisième ligne ici. J'ai pas trop envie de me faire un effet cuvette bizarre, là. Il vient ici, bon, je réponds direct. Il va en S4. Je sais qu'un coup possible, là, pour noir, c'est d'aller là. Ça a l'air pas mal. Un jeu solide, hein. En vrai, ça développe pas mal le bord sud. Ouf. Je vais juste vous mettre ça parce que là, c'est illisible ce truc. Hop. Il faut que je le mette ici. Voilà, comme ça, c'est un peu plus lisible ça. Il vient de ce côté. Si j'avais su, j'aurais misé Abda pour avoir un mini enjeu. Pourquoi tout le monde a misé sur moi? Tac. Ah ouais, pour bien se développer. Ah, je crois que j'ai ça comme réponse également. Bon, la plus simple, c'est ça, hein, clairement. Tac, il vient là. Ce qui me force à aller là et en fait il m'écrase. Je crois que pour résister, il y a ça qui existe, mais je connais pas du tout les suites. Donc connaître le premier coup c'est bien, mais bon. Hop. Alors, noir, blond, noir. Ah, je sais plus. Le problème, c'est que si blanc, noir et blanc, il menace d'aller en S14. En même temps, il est en train de commencer à s'installer dans le coin. Ah, j'ai l'impression que j'ai le droit de faire ça, non? T'es nuki. Hop. Ça, on va défendre. En vrai, j'ai le LED par là, donc ça me donne bien envie de faire B2.
Après ce coup pour le tournoi à Nantes. Ok. Ok, ok. C'est juste de mémoire, hein. C'est, ça existe et on verra quoi. Comment je dois protéger ça? Si je vais là, il peut aller là. Je dis ça aussi. Bon allez, on va aller là, mais c'est pas incroyable. Ok, belle forme. Là, il peut développer en allant par ici. M'inviter à venir sur ce bord gauche, j'imagine. Ou alors, il a moins peur d'abîmer ce bord gauche, parce que maintenant, il a chopé une belle forme qui est quasi vivante. Et donc, il peut venir choper du cash. Bon, on va quand même couper. Hein. On est honnête. Et... Et on dit pas reine, hein, on va dire roi zone. Tu causes un peu breton, Onipo? Non, on va couper. Hein. Ici, on va peut-être juste connecter, parce que sinon ça va être un peu dur. Il va en E18. On va lui mettre un tout petit peu de pression, et ensuite... on ne sait pas comment. On vient par là. Gagner un peu de force sur ce centre. Là, un coup en, en P10, ça serait intéressant pour Noir, non? Ouais, il lit vite. Il lit vite. Tac, tac, tac. Ça, je me renforce un peu ici. On est connecté. Il vient prendre la pierre, d'une manière ou d'une autre. Et nous, on vient mettre la pression ici. Et en même temps, ça attaque un peu, ça menace pas mal. Il lit pas vraiment, surtout. Ouais, oui, il a pas trop besoin, je pense qu'on va... Ça devrait aller. Venir ici, ça menace un peu. Essayez de fermer un peu ce bord sud en faisant ça. Est-ce qu'il ne lit jamais? C'est ça. Et je vais reculer gentiment. Peut-être comme ça. Non, bah non, et là ça se voit, et je vais faire une mauvaise forme direct. On va juste reculer gentiment ici. Et sauter. Il va forcer une fois. Normalement. Tac, même moi je joue vite en soi. Je suis pas obligé de jouer aussi vite. Faudrait que j'attaque un jour quand même. Après il se vide partout. Il avait peut-être envie de rajouter un coup par là parce que c'est chiant la montée de noir, non? Bah. La coupe c'est prématuré parce que si je coupe, elle est là. On défend d'une manière ou d'une autre. Après il peut faire attaquer comme ça. Siden KGS, vous mettez attention. Bovin. Ça me dit quelque chose, bovin. Ah, c'est vache, ok. Ok, ok.
Ouais, bon, tu peux parler phoque, alors toi c'est phoque, loup. Pas très beau, mais ça fait chier comme forme pour lui, ça, non? Suis pas mieux, c'est sûr. Il joue vite. Oh là là. Oh le salaud. Ah. C'est coupé. Va sortir. Parce qu'ici, il craint pas trop, je pense, pour l'instant. Peut-être que je pouvais retirer une liberté, je sais pas. Localement, il est pas encore vivant. Je peux encore rajouter ce coup. Donc attention à ça. Devoir jouer vite, c'est assez drôle ça. Moi, je me laisse souvent entraîner par la ligne de l'adversaire, oui. En tournoi, non, pas du tout, mais sur internet, ouais, c'est plus facile forcément. Et avant, ouais, je jouais que des blitz, donc c'est un effort de tous les jours de jouer lentement. Il se met à pâlir quand je parie sur lui. Ça marche ça? Tac, 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 tac. Non, ça marche pas tout de suite. Quoi? Qu'est-ce que c'est qu'ils Bon, il faut prendre la pierre, hein. Si je capture, il compte aller là. Si je l'ai à Atari, ou alors il peut se développer. On va venir ici. Il tire déjà une liberté à sa pierre. Comme ça, on peut monter sans trop de problèmes. Hop. Hop, il coupe. S'il va là, je peux aller là. Et on n'aura pas ce problème de toute façon, parce qu'on a déjà pris les pierres en snapback. Donc on peut couper. Ça a l'air de bien se passer. Du coup maintenant c'est sûr ici il a pas deux yeux donc il faudra faire un œil en... il faudra sortir et faire un œil quelque part avec ça. Là s'il sort, non il sort pas. Ça donne envie de faire ce coup, non? C'est un guetta? S'il pousse, je capture. S'il sort, je connecte. Ça a l'air intéressant ce coup-là. Non. Oh la vache. Oh le salaud. Bon ben. Il est vivant. Oh là là, mais c'est incroyable ça. Pardon BFM. Désolé. Ah j'y ai cru moi que ça se passait bien. Ah, l'illusion de... Ah! Je peux peut-être capturer un truc. Ah.
bon. Ben. Non, j'ai pas vu. Moi. Bah, sinon, j'aurais pas joué ça. Hein. Ça pue. Ouais, c'est un peu la merde. On va connecter, il connecte, ce génial là. Et il vivra avec ça. Ouais, c'est large, assez bon. Et même pas, c'est même pas la gueule de cochon. Ouais, bon bah... Chier. En plus, il prend le coup que je voulais tout à l'heure. Ah c'est ça en plus, il joue hyper vite et je peux rien faire. Il y a cette coupe qui est dangereuse peut-être un jour. En ce sens ça va. Bon il faut attaquer. Allez. On dirait un bot qui joue hyper vite. Ça marche pas mon truc. Oh là là. Ouais, je vais manquer de liberté. Oh là là. C'est incroyable. Il va juste défoncer. Bah, j'ai déjà perdu, non? Ça marche pas, mais tu peux sauver tes pierres. Quoi? Cette phrase n'a aucun sens. Disons que ça va être compliqué de gagner. Ouais. Je pense que je vais l'abandonner celle-là. Là. On a fait le tour. Bien joué à lui. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, ça m'a fait mal. Hein. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Heureux, Abda. Tu m'as défoncé. Exactement, Nilbo. D'après un grand philosophe. T'as failli me tuer à gauche. Ouais, failli. Failli. Failli, failli. Comment est-ce que ça aurait pu se passer différemment? Ouf. Ouais. Comment est-ce que je dois me débrouiller avec ça? Ici, je dois revenir capturer. C'était bien de avant d'être gourmand. Ouais, bah de toute façon, c'est le principe hein, de. Avant de faire une erreur, c'était bien. Et même ici, j'ai pas de vieux 100% hein, encore. Normalement, si, parce que ça, c'est Miaï avec ça. Oh, attends. Même là, c'est chaud. Ouais, mais j'avais pas beaucoup de liberté. À quel moment j'aurais dû faire un coup différent? Il a trop de faiblesse pour te tuer. Dans la version que j'ai dit là? Ouais, au moins là, si la situation est claire, j'ai plus de liberté que tout à l'heure, c'est ça?
Ah là, je peux couper et ça ira. Ouais, ok. Faut attention quand même au double atterrissage, je sais. Non, mais ça marche pas très bien en fait. Donc je le protège. Il peut aller là. Tac, tac, tac. Tac, tac. Attendez, là, j'ai loupé quelque chose. Alors, il compte pas d'œil, double atari, pas grave. Ok. Bah oui. Oui, tu peux toujours pas approcher. Quand je fais ça. Ok, oui, je suis bête. Ça roule. Effectivement. Donc, capturer la pierre directement, quoi. Pas faire joujou avec un 5 d'âne. Je note. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça c'était le coup de trop du coup des 12. Trop gourmand. Ah, il faut que je mette au clair les libertés. Hop, on capture et on verra quoi. À faire jeu. Ah, c'était un peu ça là. Ce coup-là il sonne l'excès de confiance. C'est à ce moment-là où j'étais vraiment. Hey, regardez, en plus là, maintenant c'est sûr, il n'a pas deux yeux localement, donc il va devoir courir. On le sentait, l'excès de confiance. D12, D13, B12. Je pense que ça passe encore pour noir. De quoi? À quel moment? Ah, ici maintenant. Ok. Il court encore et c'est compliqué. D'accord. Merci. Merci, merci. Et là, c'est trop chiant de d'aider à la fois ça et ça, quoi. Ok.